Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne du Belge Activity. On est parti pour faire une nouvelle vidéo sur One Piece to the Storm. Donc ça y est, voilà, le retour de l'armée révolutionnaire, assez étonnant, qui reviennent aussitôt. Donc la première fois qu'ils sont venus c'était en mois de juillet. Je sais pas si... ce sera comme avant, en gros, la première fois, ça paraît, c'est au mois de juillet, hein. Là, autant, la première fois, c'était intéressant. Là, je sais pas si on va faire la même chose. Donc, on va voir d'abord Karasu et, Inberk, en premier temps, puis il y aura Koala, au milieu, puis à la fin, il y aura, Bello Petit. Et l'autre. Donc voilà. Donc le retour de l'armée révolutionnaire. Autant pour qu'ils aient une 3SP aussitôt, ça c'est rare. Pourtant, ça c'est qu'ils ont eu tous les casques là de SPUL. Hein, donc on pourrait s'attendre qu'ils reviennent pas avant un petit moment. D'habitude. Alors que là, ils reviennent assez tôt. Assez étonnant. Donc la première fois, ce qui était intéressant, là je sais pas s'ils vont faire la même chose. La première fois, tous les deux multi, il y avait un palier. Tous les deux multi, il y avait la garantie de la SPUL, des personnages. Ça c'était avant. Je sais pas si je vais remettre la même chose cette fois-ci là. Ici, il n'y a pas sabot, à moins que c'est le fameux mois, c'est sabot. En ce moment, il y a quand même pas mal de save hein, en ce moment. Avec les samouraïs, avec Carotte, on a encore les saves. On tourne autour des saves en ce moment. Donc, il y a 10 pièces arc-en-ciel. J'avoue qu'en ce moment, je suis plus en mode. Je vais économiser quoi. Je vais plus en mode, je veux économiser. Bon, moi, donc, vous pouvez les farmer en 9 étoiles, etc. Moi, ils ont déjà été faits, hein. Forcément. Si vous jouez à la première fois. Moi, normalement, si vous jouez en mode juillet, normalement, ça doit être fait, hein. Avec la possibilité de mettre en 9 étoiles. J'avoue que le fait qu'ils reviennent aussitôt, allez, on s'attendait qu'ils reviennent un peu plus tard, en fait. Vu qu'ils ont dit à 2 SPUL, leur troisième, on s'attendait qu'ils reviennent plus tard. Autant, sur côté Koala et Sabo, c'est des vieux personnages, donc, ça aurait passé, donc, alors là, eux, c'est des nouveaux personnages. Donc, vous pouvez les farmer, hein, etc. Donc, vous pouvez être en 9 étoiles. Personnellement, c'est déjà fait, donc, ce sera que du bonus, finalement. Ce qu'on dira, déjà fait, donc, voilà. Donc, il y a un boss à affronter, vous pouvez récupérer une carte force. Bon, lui, il apparaît, bon, ces deux-là, ils apparaissent sans. Ça passe en tant que boss. C'est vrai qu'on s'attend peut-être à un nouveau personnage de la famille de Famigo, mais pour l'instant. Il y a toujours ça. Putain, c'est quoi ce bordel? Dégage. Voilà, il y a toujours là. Les farmer donc aujourd'hui jusqu'à la fin c'est Lindbergh et Karasu. On va voir hein, si ils ont fait à peu près la même chose ou pas.
Multi. Dans les annonces. Ça peut être simple. Donc, il y a une multi. Bon, il y aura une multi là. Quoi, il y aura une multi à elle seule, je pense. Pour l'instant, moi, je me contenterai des multi gratuites. Aussi de garantir la SPUL parce que c'est un palier directement. Donc, juste au cinquième palier, garantir sa SPUL. Faut quand même compter. Là, c'est les SPUL, mais c'est les versions argent. C'est pas forcément la garantie. Elle est multi à 30 une fois par jour. Ça, je vous conseillerais de la faire une fois. Moi, j'avoue que les multi à 30, peut-être aller, pourquoi pas. Mais ça veut que le palier pourrait être intéressant. On peut garantir la carte sous, soit Lindbergh. Ok, ça a mis du palier, donc c'est pas comme la première fois. Donc, on peut appeler ce collection, forcément. Donc, de maintenant jusqu'à 31, sera à Carassou. Donc, il y aura des pièces à farmer. Voilà, il y aura des pièces rouges à farmer. J'essaie de voir un petit peu. Donc aujourd'hui, jusqu'au 31, c'est Carassou et Inberk. Donc d'aujourd'hui jusqu'au 1er février, c'est Carassou et Limberck. Aujourd'hui jusqu'au en 19 jusqu'au 1er février, c'est Koala et à la fin du mois ce serait le Petit. Et l'autre, je sais plus. Au niveau des noms, c'est compliqué. Donc j'imagine qu'ils auront une multi chacun gratuite. Je suppose qu'ils auront aussi une multi à 30 aussi pareil. Hein. J'avoue, voilà. J'ai envie d'économiser en fait. En ce moment, j'ai envie d'économiser. Moi j'ai déjà une DSP. Donc j'ai déjà eu une DSP des personnages qui sont encore valables hein, à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas encore dépassé. Hein, donc. Donc, au cas où ils ont chacun deux spé, hein. Alors, je trouve que c'est pas des personnages qu'il faut forcément forcer. J'imagine que Koala, elle aura pareil, à mon avis. On va faire déjà, je sais pas si, sur des multi gratuites. C'est quoi, on va aller voir tout de suite, savoir s'ils ont quand même des tickets. Là, j'ai pas l'impression qu'ils ont des tickets. Ils ont dû trouver un petit Strasselm. Comment le faire invoquer son. Donc, je vais voir dans le job si. C'est pas bon. D'habitude, il y a quand même moyen d'acheter des tickets. Et vous pouvez acheter les exemplaires pour l'SP, pourquoi pas. C'est qu'une fois, hein, donc ils sont que SP1. Hein. En plus, on peut voir déjà les nouvelles SPL. Ok, donc elle frappe. Ok.
Donc les spellas sont pas démontrés. Bah, je fais mal les empires des autres, ok. Attendez, moi lui je pense pas. Ah si. Et, ok, il y a des tickets pour. Ok, donc là c'est pour. Bon, c'est pour les quatre ensemble, un chou, hein. Ok. Y a moyen de farmer les pièces. Et donc, moi personnellement, ça ferait chier quand même de dépenser un petit peu. Donc j'ai envie vraiment d'économiser en fait. Vraiment en mode, j'ai envie d'économiser quoi. Si j'arrive à la choper sur la redoute, allez, tant mieux. Mais en fait, j'ai déjà des spirituels hein, en fait. Pour les deux, j'ai déjà au moins une PUL. C'est pour ça que ils sont quand même récents. Donc voilà. Donc normalement, il doit y avoir celle de Koala dedans. En fait, il y a tout. Il y a tout l'SP. C'est la vieille, ça. Ça, c'est la vieille. Cas, ils ont montré la spirale de quoi là? Ok. Ça, la boutique gratuite. Donc le muté à 30 en fait c'est une fois par jour. Vous faire tous les jours une muté à 30 mais bon. Peut-être une fois hein, c'est conseillé peut-être. Hein. Mais pas tout le temps quoi. Rien de garanti, mais on ne sait jamais. Hein. Ouais. Forcément. Espion en bronze. Ok, une compétence, je prends. Ok, rien de ouf. C'est rien de ouf. Ça fait une fois. Hein. Si on a quelque chose en mieux, si on n'a rien, tant pis. Donc c'est là, là, speed. Voilà. N'importe. C'est en tête de quoi là, attendez. Je la prends aussi avec. C'est la seule que j'ai pas à la spirale. Celle de quoi là. Tu ne veux rien de garanti. Rien de ouf, voilà.
Comme je dis, j'ai déjà leur spuel. Franchement, je vais me contenter de leur première spé. Autant, la première fois, c'était intéressant, forcément. Autant là. Autant là. C'est pas mal qu'un jour que je fasse un tri. Sacré bordel. Je prends le temps, je vais faire un petit vidange. Parce que là, c'est le sacré bordel. Voilà, c'est bien. Ça va très bien, hein, je vous dis. Vu qu'ils sont assez récents. Me contenter de leur première spé. Faudrait que je fasse un vidange. Hein. Je garde pas mal de spé. Hein. Enfin, j'ai pas mal. Enfin, je garde pas mal de doublons. Des fois, j'ai peur de les virer. Faudrait que je fasse un nouveau tri. Hein. C'est un peu le bordel. Hein. Bon, je vais prendre le temps aujourd'hui de vider un petit peu en trop des spé, etc. Bon. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur One Piece to the Standard. Le retour de l'armée révolutionnaire. Ça peut être intéressant de faire le palier. Ah oui, peut-être plus intéressant. Ce serait peut-être Bello Petit, peut-être. S'ils n'avaient pas un bon support. Bello Petit, je pense, est un très bon support. Parce que ce coup-là, il n'y a pas de souci. Oh, j'ai déjà un bel petit, hein. J'ai déjà assez de spirituel, donc voilà, pas de soucis. Moi, j'en ai une, moi ça me va très bien. Donc, on va voir si c'est les premières versions, voilà. C'est intéressant, hein, forcément, c'est intéressant, mais moi, j'ai envie de déconniser, en fait. J'ai envie vraiment de déconniser pour plus tard, en fait.
d'oser aimer cette vidéo, mettez un pouce bleu. Commentez ce que vous avez reçu, ce sera la petite gratuite indiquée à 30. Moi, c'est que dalle, hein. Mais je me contenterai aussi de tickets, donc il y a les tickets, hein, donc ainsi, ça garantit rien du tout, mais bon, c'est pas grave, tant. C'est pas grave, donc tout le bois sera lié l'arbre révolutionnaire. Je pense que Cola aura ses musiques gratuites. Et aussi les deux là. Donc peut-être que je ferai un enregistrement comme ça. Je mettrai directement la vidéo d'invocation de Cola et voilà. Ça ne rend pas de vidéo. Ils sont déjà disponibles à farmer. Voilà. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.